Mec, on dit 20h, il est quelle heure? 20h14, quoi. 20h14, le mec. Ce matin, j'étais au boulot, j'ai mis mes lacets. Je sais pas pourquoi, les lacets n'est pas de la même couleur. Mary, il doit pas être très loin, on va aller voir s'il est dans le coin. Hey, Mary! Et que je racontais ma life et que tout le monde s'en foutait, quoi. Oh, yannana. C'est casse-couille, quoi. Ça Et le va? mec, il est... Ah, salut! T'es là? Ouais. Oh, mais c'est cool. T'étais en train de te foutre de ma gueule ou pas là? Non, trop pas, plus n'importe quoi. J'étais en train d'imiter à quelqu'un que je connais, un pote à moi. Et Ouais, tout. vas-y, Ouais. bah, dis-moi parce que ça m'intéresse parce que de mémoire, je suis ton seul pote, donc du coup. Non, c'est un autre que. C'est un autre. Damien. Et il fait quoi? Tu peux l'imiter Damien un petit peu? Non, juste pour voir s'il n'y a pas des. Hein, des simi. T'es toujours là, toi. Welcome Des to the similitudes Salty avec, Academy. avec d'autres personnes qu'on pourrait connaître, tu vois, des amis communs. Non, moi, vous êtes. Non, il est très différent des gens que je peux connaître, Damien. Il est Il est très. comment? Bon, il est assez con. Il est très con. C'est un connard. Voilà. J'aime pas parler mal dans le dos des gens, hein, mais c'est un connard. Ouais, effectivement, donc il a du tout rien à voir avec les gens que tu connais. Ah non, bah rien. Rien du Non, non, tout. et puis les râleurs, il est jamais content, le mec. Voilà, ça serait un peu ça, quoi. Le mec, jamais content, quoi. Tout le temps. Et ça n'a rien à voir avec des gens que tu Non, connais. jamais. Non, Non, non. non. Moi, par exemple. Bah non, Ah c'est non, la mais je suis bête. perle et la nuit, Je hein. suis bête, hein, je suis vraiment bête. Je suis vraiment désolé. Hein, j'ai cru qu'il y avait un petit truc. J'ai cru que tu essayais de me faire Non, non. passer un Mais message. Damien est très Hein? parano, par exemple. Oui? Hein? All right, I'm gonna show you guys. I'm in Brody. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Ben Moody, moi j'ai présenté. J'ai dit que c'était un étudiant ô combien présent depuis les débuts de la Salty Academy, Et. un des premiers étudiants, un des premiers subs, un des premiers donateurs, un des premiers de Ok. tout en fait. Et du coup, tu peux remercier Bibou qui vient de nous hoster de 256 viewers? Je t'emmerde, Bibou. Bad Moody, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ben Ça va? Oui. il fait Ouais. enfin son Bon, on va tétier. lancer. Quel âge as-tu, Bad Moody? Voilà, moi je suis plus tout jeune, j'ai bientôt 35 ans. Oh le Welcome vieux! to the Salty Academy. T'as Oh bientôt le 35 ans, quand ça? Ouais. En octobre. Fin octobre. Donc tu es plus vieux que moi. Ben, il y a des chances, oui. vieux que moi Yes, aussi. putain, je suis pas le plus vieux! Du coup, Bad Moody, quel est ton objectif? Mon objectif, bon déjà, ce sera pas d'aller bien haut, hein. C'est juste déjà de m'améliorer quand même un petit peu pour prendre du plaisir à jouer. Ah, ça c'est un objectif, c'est rare qu'on entende ça. Ouais, Mais moi je trouve ça un je trouve ça bien, objectif non, de je trouve ça merde, bien. mais Non, bah non, je suis pas bon. En d'accord. fait, si tu veux prendre du plaisir à jouer, voilà, tout en évitant d'être toujours soit argent, soit or. Une merde, quoi. Voilà. Non, pas Bah, forcément. Hein. je rigole, on Pas dirait forcément team premier degré qui être va une revenir merde. là. Est-ce que tu crois pas qu'un objectif flat 3 ce serait un meilleur objectif déjà que goal de 1? Ah pourquoi pas, il faut toujours viser plus haut, rien n'est Voilà, impossible. c'est pour ça que je te dis ça. Mais si tu te fixais, je veux être plate. Voilà, mon objectif c'est être plate. Mais Ce ton serait objectif c'est pas nettement. de faire de la Pro League déjà. Donc c'est de Ah rester non. dans du in-game. Ça reste un objectif sans être péjoratif, ça reste un objectif de personne casual. Voilà, non, non, c'est tout à fait vrai, hein, c'est tout à fait vrai. Pour moi, c'est ça, hein. Moi, je cherche pas du tout à faire de la Pro League ou même de la compétition, quelle qu'elle soit, hein. Ça, c'est sûr même. Non, et puis bon, bah, vu ton ratio, je veux Bon, je dire, vais tu fais banane. bien, quoi, c'est bien. Bon, moi, je suis réaliste. Je suis Je réaliste. plaisante, je plaisante. Non, mais non, t'es pas réaliste, tu sais, tu peux très bien t'améliorer, tu sais. Y a Oui. personne Il y en a qui n'est. croquent les bananes, moi, je les suce, ok? Je fais ce que je veux, les gars. Et regardez la gorge profonde que j'ai, regarde. Je pourrais pas être une meuf. Non. On va se faire strike, 6-4, en fait. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui fait que. Quel est ton plus gros défaut, tu penses? Mon plus gros défaut, je suis pas ça. Je peux faire actif.
Mais dès que je vois, je panique trop en fait. Je fais trembler ma souris dans tous les sens. Et c'est quand même la première fois qu'on a une personne qui se plaindrait d'un manque de réactivité. Chose qu'on a vu tout à l'heure quand t'as décalé le vigile par exemple. C'est pas normal que tu te redécales, que tu reviennes et que t'es pas le réflexe, la mémoire musculaire de savoir où est-ce qu'il va être quoi. Normalement là ça doit partir tout seul quoi. Il doit partir. Question bête, vu que t'es un vieux comme nous. Ça fait combien de temps que tu joues au FPS ? Alors en fait, si vous voulez, avant moi je détestais les FPS, jeux multi. Et en fait j'ai commencé les FPS il y a exactement, donc par Overwatch, il y a 2 ans. D'accord, donc oui, c'est vraiment, c'est un mode de jeu qui est quand même assez nouveau pour toi. On va dire ça, vu que ça fait 2 ans, ouais. Et du coup, c'est par le biais du coup de Overwatch que j'ai découvert ça, et qu'après du coup j'ai découvert par la suite Rainbow. C'est les deux seuls jeux que je joue d'ailleurs. En multi. T'as jamais joué à des jeux solo FPS? Si, mais c'est différent. Moi, c'est mon point de vue. Oui et non. C'est différent. Oui et non. Oui, oui, c'est différent dans le sens où il faut être 10 fois plus réactif et anticiper beaucoup plus de choses dans un multi. Mais en soi, le gameplay, le maniement et l'habitude du FPS auraient pu t'aider si t'avais fait pas mal de FPS sur en solo, par exemple. C'est une habitude, enfin c'est vrai, comme disait tout à l'heure 6-4, c'est t'as une mémoire musculaire et tout ça à force mais de jouer ça. Dans cette volonté de s'améliorer, même si on reste sur du in-game, est-ce que tu penses, je pousse un peu loin, hein, mais je me permets de poser ce genre de questions. Est-ce que tu penses que t'as la psychologie d'un gagnant? Oui. Ah ouais? Ouais. Ok. Oui, parce que t'es dans une volonté. Oui, mais attends. Il y a faire de la compétition. Tu vois ce que je veux dire? Il y a faire de la compétition. Il y a être en Challenger League et gagner une Pro League. Tu vois? Enfin, il y a être en Pro League et jouer et gagner une Pro League. C'est deux choses complètement différentes. C'est pas si difficile que ça d'être en Pro League aujourd'hui, je pense. Sorry, mais not sorry. De la gagner, en revanche, ou d'y faire des choses, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Les compétitions, quand tu les faisais, c'était quoi? C'était quoi comme sport? Alors j'en ai fait deux, j'ai fait du tennis et après j'ai fait du squash. Et j'allais dire badminton, à chaque fois, ça m'étonne pas. Ouais, à chaque fois, ouais. Ok. Et à chaque fois, je sais pas, t'as commencé à taper les classements, t'étais quoi, classé quoi au tennis? Est-ce que t'as voulu persévérer, machin? Ou est-ce que tu faisais de la compétition? En fait, est-ce que ta définition de faire de la compétition, c'est je jouais un match tous les samedis? Pour le plaisir. Non, pas pour le plaisir. Non, c'est pas pour plaisir, c'est pour gagner et pour augmenter. Après, le squash, malheureusement, j'en ai fait et j'ai été blessé, donc j'ai pas pu continuer. Ok, voilà. Ça marche. Après, j'ai envie de rebondir sur le fait du fait que tu dis d'avoir l'esprit de vouloir gagner. J'ai envie de te dire oui, parce que en fait, j'ai eu un accident. Et en fait, pour moi, il n'y a pas de fatalité, on peut toujours s'en sortir, on peut toujours gagner. Donc en fait, c'est depuis vraiment ce moment-là aussi que j'ai vraiment eu cet esprit où je veux gagner, je veux jamais perdre. Pour montrer que, voilà, on peut toujours y arriver. Ok, ça marche. Pendant le montage, je pourrais mettre une petite musique triste avec du noir et blanc. Ça me pleure de rien. Oh, ça me plaît. Et les murs là, là-bas, pas très bien. Je me fais chier en fait, j'attends les deux derniers. C'est quelque chose, Bad? Ouais, ils sont à Montagne sans moi et l'autre, je sais pas qui est à Q. Au revoir, Montagne! Allez, putain, il est trop tranquille le bâtard. Oh, et regarde le replay. Regarde le replay. Regarde ça. Il a dû revoir mon time, mais je le tue pas. Regarde. Je sais pas, en fait, c'est sur le truc, j'ai l'impression qu'il manque une espèce de... Ah, je sais pas, une rage de vaincre. Alors après, ça peut être très très orienté et très très primaire comme analyse, et j'en suis sûr que ça l'est déjà, par le fait que dans ta voix... Tu vois, t'as l'air d'être plutôt chill, cool, que le mec comme moi, quoi. Que le trou du cul qui parle tout le temps. Alors ça, je pense que c'est un a priori, mec.
Oui, c'est, en fait, c'est ce que j'ai dit en préambule de ma phrase. Non, mais ça fait vraiment. Ça, non, excuse-moi, Banmoui, je te coupe. Oui, pas de soucis. Là, tu passes vraiment pour un connard. Non, mais l'autre, c'est. Je m'excuse déjà du truc que ça pourrait être un a priori. Ouais, bah, vas-y, remodifie la vérité, je t'en prie. Non, fils de. Franchement, t'es vraiment le pire des fils. On va bien te faire enculer. Oui, comme il m'insulte. Regardez, et il va le mettre ça dans une vidéo. Il m'insulte, t'es le fils de pute. Avec un gros truc, avec des grosses flèches, moi, une tête de con, lui en beau gosse et en costard. Quel connard. C'est vrai que j'ai mis une petite chemise ce soir.